Solana, Isenio, Montréal, Isenio, Cotonou. Vraiment, merci beaucoup d'être scotché sur IC News. Donc, les nous vous attendons aussi en chrétien et à congolais à Montréal à propos de la disparition en Serre Labisso. Les nous, tout ça, qui est présenté pour l'ambassadeur de la Congo, RDC, à Wanakati à Montréal, on a pour prévoir ma conseil qui a Nicolas Labisso, Alexandra ou Atikaki Bisso. Maintenant, je tenais juste à vous confirmer aujourd'hui qu'il y a obsèque, il y a Nicolas Musso, Alexandra, et vous allez bien prise en charge par l'ambassadeur. Et puis, et vous allez encore exposer dans Montréal. Donc, trop au lieu, on se parle ça dans la vidéo, crash tout, tout ce qu'on voit sur l'internet, je vous dis. Et ça, voilà, le gouvernement congolais, ils ont pris en charge, vraiment, je dis jusqu'à la fin, il y a. Je vous confirme humblement, je vous confirme, le gouvernement congolais, Bazui et Memeko en charge. Donc le corps, il y a Nicolas Musso, Alexandre qui vous a exposé à Ouagadougou, pour Montréal. Tout ce que les gens disent à propos de la famille de Sarah, la famille d'Alexandra, Bakouzana, qui sera à Montréal. Donc, arrêtons avec les spéculations. Le gouvernement congolais s'engage. On a eu le temps de nous entretenir avec l'ambassadeur du Congo. Après, c'est plus sur l'information. Mais sinon, vous allez voir comment est-ce que Macamouillon se déposa là, du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils ont pris premier contact avec l'ambassadeur, enfin, de planifier le rencontre et des obsèques, pardon, de notre sœur Alexandra. Donc, après, nous aurons d'autres réunions avec l'ambassadeur pour que tout le monde soit là. Mais nous allons rester de ce côté. Je te passe, je t'ai accompagné avec, avec les amis du Canada. Les amis du Canada, ils étaient là avec nous. Il y avait, à l'occurrence, José Gabriel, Nestor Lukusa et vous, M. Franck. Si, mi-acté-moi ce groupe, je vous en ai un mot, mais tant que. Donc continuez, mais sinon vous allez, tout ce que vous allez voir sur, sur notre sur aujourd'hui, c'est vraiment les condensiers de ce qu'on a eu comme entretien avec l'ambassadeur de la RDC. Donc je vous laisse suivre et puis vous aurez la suite des grandes choses après ces éléments.
chef, donc le commis présence Nayo par rapport à devenir ambassadeur et à faire des séances à Montréal. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à devenir ambassadeur au Toyami de la Casa Montréal? Bon, présence à l'ambassadeur, c'est qui pour nous éclaircir mon camion. On a sur l'équipe, on a mon avis sur Foki. Et pour nous repérer sa programme, il y a funéraire, il y a moins là. On a un petit corps et qu'il est naturel. Ils ont juste ça pour nous le programme de l'ambassadeur. Okay. Mais par rapport à Batou Batou, le gouvernement congolais va nous investir sur la santé de l'équipe. Qu'est-ce que tu as au Koloba par rapport à l'échange pour le jeune ambassadeur? Non, le gouvernement a déjà la carte, l'ambassadeur a accepté surtout la preuve que l'élo, alors il y a une que l'élo, le président Yemoukwa a bâti sur sa famille. C'était pour la deuxième fois qu'il y a un bâtiment, ce qui veut dire que tous les autres sont malades. En plus, c'est dans le nombre de bâtiments, le gouvernement a déjà tout besoin. Il y a déjà un niveau de la finance pour nous recevoir le billet. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement, avec notre ambassadeur, nous sommes bien, ils ont bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, notre cher ami. Donc, je suis très content de vous recevoir hier au Moulin du Zou Souboué. Et l'autre voie qui est opportunité à vous allant ambassadeur à l'ambassadeur à Montréal, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à l'ambassadeur ambassadeur à l'information est vraiment à bien. Il faut bien retenir que quand il y a Alexandra et les gens en ambassade, c'est-à-dire il y a Bissot Congo pour ambassadeur, c'est déjà nous. Donc, corps de Jésaline, ambassadeur. Ambassadeur a commencé le lot. Aïe, à mon corps, à mon maman, tout. Pas pour besoin de l'autre. Corps, ambassadeur, à mon maman, donc, aïe, à ce programme. Pour l'instant, nous en avons deux personnes dans la visa. C'est-à-dire papa, maman, dans la visa. Et puis, il y a les trois personnes. Je suis sûr et certain que déjà, lobby, trois personnes dans la visa. Parce qu'on va les gagner des lettres. Aïe, vous comprendre que les gens vont nous soucier avec votre famille. Malandé les balayés familial, ils ont la carte, ils ont un souffle, ils ont des équinettes, ils ont un plein liste. Ils ont un souffle, on ne sait jamais, ceux qui ont des bananes, on est allé bisauter, surtout au Bapoyo, aux informations par l'ambassadeur. Et puis, l'ambassadeur a dit, le gouvernement congolais n'est pas exposé, sur ma parent, ma commune, au Bapoyo, espace, va exposé, après, il faut exposer, au lobby d'un mot, au rapatrier, on a Kinshasa. Et puis moi, ben des consolations aux alors entre nous les Congolais, nous placer au monde, non, mais l'information ne serait pas ça. Okay. Mais par rapport à Mao, il ne soit pas le vaquer, le gouvernement, voilà, on va suivre la visa, mais tout ce que les gens disent aujourd'hui par rapport au gouvernement congolais, négligence, tout ça, qu'est-ce que toi tu veux dire par rapport à tout ce que pose comme information au pays ambassade? Ben, mon cher, ambassade, expliquez nous une chose. Le gouvernement congolais nous a fait charge à nous. Le président de la République, Fatou Béton, a invité au premier tour. Aujourd'hui même, le président a mis dans le sous-maquine. C'est-à-dire, ma visa là-bas, on va tout. Le gouvernement congolais nous a en charge. Et pour nous, c'est l'aspect au ministère, il y a budget. Et décanter ma situation, je vais vous faire ça. Il y a un peu de billets. Pour y en avoir un peu de billets. Logement là-bas. Oliana Bango, Makambo, tout le monde a beaucoup de gouvernement congolais. Donc, je vais vous donner des informations vraies. Information vraie, information vraie, là, sur vous allez dire, c'est-à-dire, à Zoloba, on va dire, Makambo, c'est ça, vraiment très bien, et ça, beaucoup de gouvernement congolais. Tout le monde a posé un nom, et ça, tout le monde a mis un nom aussi, ni famille, ni satan, un front. Tout le gouvernement congolais. Mais par rapport à Bacagnon, tu peux trouver internet pour voir comment c'est Bacagnon, qu'est-ce que tu peux tout faire? Non, à propos de Cagnon, là, je vous dis, il ne faut mettre, pas mettre vos. Même un sou. Cagnotte, tu vas aller voir le monde, tu vas voir le monde. Pour Cagnotte, tu vas aller voir le monde. Parce que pour l'instant, c'est le gouvernement. Cagnotte, tu te reposes à l'autre. Le gouvernement, ils ont ma charge, il y a ma ramounia, c'est-à-dire, Cagnotte, ils ont le monde, ils ont le monde. Tu vas voir le monde, on a ma Cagnotte, tu vas aller voir le monde. Il y a l'importance qu'on va faire pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Merci, mon petit cher. Merci, les journalistes. Donc, on est là prochainement pour la balle. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Montréal. Donc là, je vais voir, je vais recevoir M. Nestor Lopoussa. Donc, M. Nestor Lopoussa, bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Okay. Donc, les lots pour Yambi, ambassadeur de la RDC à la Catch à Montréal. Okay. Et tant que Congolais, c'est quoi d'abord ton impression par rapport à devenir ambassadeur à la Catch à Montréal? Bon, impression comme telle, je vais dire,
Bon, je vais parler moins, mais je vais résumer un peu. Ouais. Donc l'ambassadeur, lui, il vient au Ghana. Depuis avant-hier, il nous avait appelé. Bon, déjà vendredi, nous on était au Ghana à l'ambassade. Nous avons aussi. On avait eu à discuter, à parler à propos de l'Alexandra, tout ça. Et le samedi, il nous a appelé pour nous dire qu'il sera ouvert lundi. Ouais. Vers 10h11, il sera ouvert. Ouais. Parce qu'il devait voir le corps. Là où le corps est gravé aussi. Et puis, on devait, il devait aussi, comment dirais-je, faire un programme avec mon espoirier pour l'exposition du corps. Je suis désolé, je n'ai plus pu m'en voir, je suis un peu grippé et tout. Pour l'exposition du corps de l'artiste qui est décédé. Et après, il devrait discuter avec vous. Tu sais, nous, on est les Congrès du Canada, c'est une association qui est basée à Montréal, précisément, qui s'occupe des Congolais, ouais, tous les Congolais. Et on a un problème, je crois que ce soit, juste à adhérer et vous allez avoir votre suivi de l'association. Alors, comme l'ambassadeur, c'est le parent de l'association des Congolais du Canada, qui est à Montréal. Il nous a appelé, on a discuté et il devrait, l'association devrait lui accompagner en fait. Oui, c'est ça. Mais bon, compte tenu du temps, ils vont sur la pluie, il est arrivé, ils sont passés directement à la mort pour voir la pluie et nous on a marché ça, on a marché ensemble avec vous. Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est pour cela qu'il nous a rencontrés ici à Fermont, puis qu'il nous appelle ici. Ok. On va être sûr parce qu'on doit préciser. Il y a des précisions. Au début, on était à Laval, mais maintenant on a fini. Oui, ils avaient. On a discuté pour le programme de l'artiste Alexandre. Alors, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Mais si je dois juste faire une petite question, qu'est-ce que tu pourras dire aux gens qui pensent que nous avons un problème de santé par rapport à cette situation? Ces gens-là, ils ne sont même pas prêts de ce qui se passe. Okay. Parce que quand on parle du gouvernement congolais, on voit d'abord l'ambassadeur, papa Yosef Okawo. C'est lui qui est notre papa ici, c'est lui qui est comme notre président ici au Canada. Pour tout comme nous. Alors, c'est lui qui s'occupe de tout, s'il y a quoi que ce soit, même dans les dossiers de l'actif. On voit les TikTok, les lives et ainsi de suite. Mais tout ce qui se dit dedans, c'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi, mais parce que les gens n'ont pas l'information. Pour parler et préciser certaines choses, il faut avoir de l'information. Toi, tu as été avec l'ambassadeur. Ouais. Les nouvelles que tu as entendues sortir de la bouche de notre nouvel ambassadeur, et ce qui se dit sur TikTok, c'est le contraire. C'est le contraire, les jours et la nuit en fait. Ouais. C'est pour cela, nous, on n'est pas là pour sortir. Commencer à relater et puis contredire ce qu'ils disent n'importe quoi. C'est leur boulot, on respecte. Mais bon, il faut respecter aussi ce que l'autre dit. Donc, c'est ça. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est sûr qu'on aura encore, on s'en prétendir et puis d'autres éléments qui viendront une fois que tout sera mis au clair. Je vais profiter pour saluer un ami. Non, pas de problème. Je salue Babi Makou, minimal de Montréal, mon ami. André de Kim, la minute d'image. Je salue Patrick Madison, Kaim, qui se tient à parler. Je salue Alain Mantouna, l'image de papa chéri. André de Kotawa, Dodo Mou, le sénateur de Mbogawana. Sans tout pas oublier Oublo Québec, Québécois, noir, Oublo qui ministrable. Mais tu n'as pas qui s'en capé possible. En tout cas, les nouveaux riches, Moura Karl. Christian Wadol. La pression monte. Mazin Christian. Ma salut à la vino. Donc on est ensemble. Ma aucune trouvée dans ces médias. Donc on va y en pas. Donc à Oboli qui n'est pas mis à Temu. En direct. Live. Kitoko. Donc, comme vous disiez, donc, vous voyez, l'ambiance est très chaleureuse. Je vais prendre un autre Congolais, un grand monsieur aussi, qui s'appelle José Kabemba. Il va juste s'approcher. Monsieur José Kabemba,
Oui, donc c'est parmi les gens qui sont là, qui ont eu les temps très libres avec l'ambassadeur pour avoir des bonnes informations. Donc sans plus tarder, je vais dire bonjour, monsieur José Camille. Bonjour, bonjour. Oui, qui me rôle. Oui, donc déjà, Tomounou Lélo, ma présence pour l'entretenir ambassadeur pour Lélo. C'est quoi d'abord tes impressions par rapport à venir ambassadeur dans le cadre civil à Montréal? Bon, merci à toi pour la parole. On a travaillé ambassadeur en privé. Ok. On a travaillé en privé. Si tu veux tout à tout va aller à l'homme de la Bénisaïe. Parce qu'ambassadeur, il y a depuis la première année quand c'était hier, à Dinamaï. À partir à. Donc demain, à partir à midi à 13h. Dans Montréal, en tout cas sur les moyens aux Zala, pour composer mon équipe pour Moyana, parce que comme je te fais confiance, je suis Moyana m'a très bien. Donc, mon moni, ma bien gagné de gauche à droite, bah, Francis Miate, Mobino, Pato Bemag, et tout ça, la Zala déjà, Donc, pendant tout Yambaye, puis Aïe Bissabiso, après ça, son rapport. Il y a un dossier, il y a la petite et Alessandra. Voilà. Donc, il y a un truc qui est de gauche à droite, il y a un moté. Nous pouvons comprendre les logos, il y a un moté. Voilà. Donc, il y a un dossier, on a de A à Z. Donc, il y a un petit maman, la famille Alessandra, il y a un parent qui est en bas, il y a un peu de famille, il y a un peu de famille, il y a un peu. Les gens qui sont de gauche à droite, ils sont à Bino et à Bisso. Bisso va être du jour à Roya. Si tu as un jour à moi pour comprendre les noms, ils sont à son pas. Si ils sont à Roya, jour tel, ils ont joué à Roya. Donc, tu as arrêté, tu as un peu vrai. Donc, vraiment, tu as tout sépé là, tu as un ambassadeur, tu as un papa, mon bobo, papa, mon gentil. Vraiment, tout travailler ensemble. On a besoin de yo, tu as besoin de. On a besoin de Bissot, on a besoin de Bissot tout au travail pour moi qui est le gros. Il y a un magicien, il y a un mété pour la bonne grâce à la maman sur les mots. Toi, aider au salaire bien. L'union fait la force. Au sang, on a gabonais par le tout ensemble ensemble pour la tour de ma combo du gros. Mais monsieur José Kabemba, qu'est-ce que tu proposes au bar pour avoir trois zones qui gouvernent comme on va s'impliquer péter pour la dossier. Va s'impliquer pour votre information. Bayamba qui déjà famille, Bayamba qui bamo sous un ambassadeur, c'était avant-hier, avant d'être aux Aïnaé, mais jour avant déjà, Bayamba qui déjà famille, la Fati Beton, à partir de Kinshasa, l'élo de Tobago, l'élo sous Bayambi bamo sous la Kinshasa, pour la deuxième fois. Donc, gouvernement déjà pépelé. Donc, l'élo c'est si, on a confirmé, mais l'élo on dirait que. Bah libérer déjà dossier quoi bah du moins le chocho pour la organisation quoi. Donc à la limite va payer ma billet pour la séjour là bas moi quoi. Donc ici va bah, libérer moi le chocho quoi. Est-ce que le logo confirmé va toquer quand il y a une console d'écran et vous a exposé à en Montréal? Voilà bah on a confirmé bino donc quand ils allaient exposer quoi tous ces gens l'ambassadeur va exposer le roi boy il a mis sauté pour exposer aux anamanius pour y d'autres coopérer. Donc, exposition à Manus Poirier, après exposition, peine de consolation, ils appellent à Manus Poirier. Sauf avis contraire, bon, trop changé local, mais jusque là, ils en ont mis à Manus Poirier. Après exposition, les Sigoyo, ils ont mis à Kinshasa. Ils ont mis à Kinshasa. Je me suis dit que tu as accompagné encore à Kinshasa. Mais tu es ambassadeur et toi, c'est donc 15 au moment. 15 au moment, tu es pour accompagner encore les actes. Donc, merci beaucoup, M. José Kabim. Monsieur Garderobe, on va libérer. Merci. Non, merci, tu as gardé toujours pour toi, tout ça. Bon, à la prochaine, tu as un jour, famille Roya. Famille Zoya, la militaire. Vous allez en être, vous avez trouvé ça bien à ça. Merci beaucoup. Ah, merci. Francis Miatembo, le prophète des images. donc, vous avez marqué l'ambiance. Donc, on va continuer à recevoir notre Congolais quand même.
Monsieur Franck connaît un peu mon mari, tonton Franck. Lui aussi était présent à l'entretien avec l'ambassadeur RDC. Je peux, si je peux savoir, monsieur Franck, déjà bien dit, c'est la première fois sur PC News. Donc aujourd'hui, on a été recevoir la présence de l'ambassadeur de la RDC. Ça, c'est quoi vos impressions déjà de voir l'ambassadeur se déplacer des Ottawa et Montréal pour nous donner la suite par rapport à la disparition des Alex? Merci pour la parole, Achille. En tout cas, je salue d'abord, je remercie M. l'ambassadeur. Ça s'est fait même pas, je peux reconnaître les autorités comment ils fonctionnent. Donc c'est difficile de voir une autorité congolaise dans d'autres pays, même dans notre pays au Congo. Ce n'est pas très difficile de rencontrer l'autorité. Avec sa simplicité, c'est ce qui m'a attiré, sa simplicité. Il est venu répondre à des questions. Moi, j'étais observateur. Ouais. Donc, je n'ai pas cette qualité d'être journaliste. C'est surtout les journalistes qualifiés aussi. Donc, Yango, j'ai quand même assisté à votre entretien. Mm-hmm. En tout cas, il est merveilleux. Okay. Ça, vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un à flatter. C'est-à-dire, il est vraiment merveilleux. Merci à lui. Merci vraiment pour l'opportunité que nous avons. Mais si on va se dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ce qu'on entend sur Internet, que les gouvernements ne s'impliquent pas, que les gouvernements allaient négliger, et tout ce qu'on entend, c'est quoi vos impressions après les échanges qu'on a eu avec l'ambassadeur? On a compris, il y a eu des informations. Parce que, il faut savoir, dans notre communauté, il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Il y a toujours des outils, mais en réalité, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'administration. C'est-à-dire, l'administration demande beaucoup de choses. L'ambassadeur représente tout un État. Donc, c'est-à-dire, l'ambassadeur doit demander des explications aux autorités canadiennes, c'est pas aux Congolais. Donc, l'ambassadeur représente le chef de l'État, c'est tout un pays. Oui. C'est une histoire d'un pays, d'un État à un État. Oui. Donc, les gens ne comprennent pas. Moi, je comprends. Il y a le taux de l'alphabet a été élevé au Congo, donc c'est pas notre faute. Donc nous allons toujours continuer à vulgariser. Toi, tu es bien placé pour essayer de donner quand même, de prodiguer les conseils et nous expliquer comment l'administration fonctionne. Okay. Mais aujourd'hui, si on doit dire en deux, trois mots, l'ambassade nous a dit que les corps seront exposés de manière royale. D'autres n'avaient pas spéculé que la famille ne viendra pas. Est-ce que vous avez appris de vos propres oreilles par rapport à la famille? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aujourd'hui et confirmer certains détails que vous avez auprès de l'ambassadeur? En tout cas, l'ambassadeur a bien expliqué, moi je l'ai même dit dans mon live le matin. Vous savez, c'est la mère biologique qui a perdu sa fille. Mm-hmm. Donc je ne vois pas comment on va refuser le visa pour sa mère. Mm-hmm. Donc vous savez, lorsque la fille a eu son inscription, elle était inscrite au Canada, il y a des procédures à suivre. C'est-à-dire, parmi les formulaires que nous remplissons, il y a un des formulaires qui donne le renseignement familial. Okay. Donc l'administration canadienne va se focaliser à cette déclaration. Mm-hmm. Donc si la fille n'avait pas déclaré d'autres personnes, c'est très difficile. Parce que d'abord, c'est les parents de premier degré. Donc on parle de parents de deuxième degré si la fille était orpheline. La fille n'était pas orpheline, excusez-moi, peut-être orpheline. La fille n'est pas orpheline. La fille est à sa mère et son père. Donc on ne peut pas donner le visa à tout le monde. Donc on donne le visa à la famille restreinte, à la famille de premier degré. Donc aujourd'hui, vous avez quand même écouté pour les papas francs. Aujourd'hui, je peux vous dire que les TikTokers qui ont des informations, aujourd'hui, papa Franck, il est peut-être certifié de vous donner les bonnes informations concernant l'ambassadeur. Par rapport aux TikTokers aujourd'hui qui n'arrêtent pas de spéculer sur vos prénoms, sur vos publications, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces TikTokers? En tout cas, moi je le remercie. Parce que je le remercie pourquoi? Parce que grâce à lui, mon nom est propagé. Donc, moi je suis, j'ai confiance en moi-même. En tout cas, j'ai confiance à tout mon entourage aussi. Donc, je vois mal l'implication. Chacun,
on ne peut pas personnaliser le deuil. On ne peut pas personnaliser cette affaire. Mm-hmm. Cette histoire, ça appartient à tous les Congolais. Mm-hmm. Nous sommes tous Congolais, nous devons s'impliquer. Mais l'implication, ça dépend d'une personne. Je ne vis aucune personne, aucun Congolais qui a retrouvé le corps de la défaite. Ouais. Il n'y a aucun Congolais. Donc, on comprend. TikTok, oui, mais ce n'est pas une plateforme fiable. Il y a des gens qui donnent toujours des informations à travers. Donc, comme je le disais tantôt, donc aujourd'hui, par rapport à cette affaire, par rapport à l'ambassade, Papa Franck, aujourd'hui, il a réussi, je crois, l'accréditation de l'ambassadeur pour donner les bonnes informations. Donc, Léo, si Papa Franck a lobby au nom de l'ambassade, soyez-en sûr et certain, c'est une information fiable et vérifiée. Donc, je vais dire, Papa Franck, merci HK, merci moi qui te remercie. Mais on aura les chances d'autres occasions pour s'entraîner encore plus là-bas, après à ce moment. Oui, yoka mutoki mangai et nami atembo la moni kuna. En tout cas, mi atembo, merci beaucoup na la musala na yo parce que yonde kulo makama kulo masolo HK zawana. En tout cas, merci beaucoup bande bon ngai de boite musala na ngai se passali, c'est-à-dire ya baninga se passali musala exacte que muta personnaliser avant ma visa et loko na yeka kanon. Arrêtez ça et puis moi, ma présence est ici, et ma présence est ici, on a tel à ceux qui ne m'ont pas monétisé. Malheureusement, ou malheureusement, comme le Loba, et le Bourg est en tout cas, merci beaucoup, l'ami. Ok, donc merci beaucoup. Donc je vous laisse déjà, comme vous pouvez le dire, image, on prendra encore le temps de vous d'autres nouvelles. Une fois que le gouvernement congolais, par l'ambassade, va vous recevoir l'information, nous reviendrons devant vous pour vous donner les informations. Et là, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne CNews pour ne rater, pour ne rien rater par rapport à ce sujet et pour la suite. Là, tout à moi, je vous dis ciao, bye, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Isenio, Paris, Isenio, Montréal, Isenio, Cotonou.